Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto en direct du Salon de l'Auto de New York au kiosque Nissan pour vous parler de la toute nouvelle Nissan Altima 2019. Donc, un dévoilement super intéressant en fait, ça fait du bien en fait là, de couvrir une berline et non un véhicule utilitaire. L'Altima devait là, justement subir une cure de rajeunissement, surtout depuis là, la refonte de la Toyota Camry et de la Honda Accord. Donc au niveau de l'apparence, bon, elle demeure tout de même conservatrice. Là, à premier regard, on n'a pas l'impression qu'elle a beaucoup changé. Mais quand on prend le temps de la regarder comme il faut, l'Altima, je vais essayer de faire le tour. Excusez-moi, j'ai failli m'enfarger. Quand on prend le temps de la regarder comme il faut, on remarque là, justement à l'arrière, là, sur le pilier C, une ligne de toit qui fait étrangement penser là, à la Maxima. Ce qui est surtout intéressant avec l'Altima, c'est qu'on a beaucoup de nouveautés. Premièrement, l'option de la traction intégrale. C'est la première fois là, depuis que l'Altima existe qu'elle va s'offrir avec la traction intégrale. Donc, deux moteurs seront disponibles. Le premier va être un 4 cylindres de 2,5 litres, développant 188 chevaux. Le deuxième moteur va être le 2 litres turbo, V6 turbo en fait, à compression variable. Donc, le même là, qu'on a dans l'Infiniti QX50. Le premier moteur, en fait, là, à pouvoir changer sa compression là, au besoin. Donc, une première là, dans les berlines intermédiaires. Il n'y a aucune berline intermédiaire sur le marché qui offre un moteur comme ça. Et présentement, à part la Subaru Legacy et la Ford Fusion Sport, il n'y a pas vraiment de berline intermédiaire offerte avec la traction intégrale. Donc, au Québec, même au Canada aussi, là, je pense qu'à mon avis, là, ça va lui permettre à l'Altima là, de se démarquer et à se vendre, parce qu'on sait que les berlines, même si les constructeurs nous sortent des berlines intermédiaires de plus en plus compétentes, elles perdent un peu de popularité là, en faveur là, des véhicules utilitaires. Mais une berline intermédiaire à traction intégrale risque de faire changer l'idée, la vie des consommateurs. C'est ce que croit Nissan. Je vais tenter d'aller à l'intérieur. C'est toujours pas évident dans ces événements-là. Il y a plein de gens, des photographes, des journalistes qui veulent tous avoir la même information. On va tenter de montrer l'habitacle. We can't look inside. No. We're going to open it up in a few. Oh, okay. All right. Okay. Je vous montre rapidement l'habitacle. Vous voyez qu'elle a été retravaillée également. Bien entendu, là, on va vous partager un article complet là, avec des photos là, sur le site Super, mais on trouve quand même important de vous montrer le dévoilement officiel là, de ce véhicule. Merci, au revoir.